Salut à tous les amis, ici Fantabis, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans cette vidéo présentation de Far Sky, j'allais dire Far Cry, mais pas du tout, c'est Far Sky. Nous sommes dans un jeu de survie sous-marine complètement original, ça fait plaisir, et c'est un studio indépendant français, extrêmement sympathique, qui s'est lancé sur ce projet, et on va commencer une petite partie ensemble. Donc vous voyez, il y a trois modes de jeu, il y a le sandbox, il faut commencer, connaître un petit peu les bases de la survie, il y a le mode play, tout simplement, en mode aventurier ou survivor, est un petit peu plus difficile en termes de prédateurs entre guillemets, et ça va être un peu plus chaud, et aussi vous ne trouverez pas je vais vous parler des différences dans pas longtemps. Allez, aventurier, c'est parti mon kiki, on y va. Mayday, mayday, mayday. jour de mai, son sous-marin est en train de partir en pièces, voilà, et directement on se sent plongé dans les profondeurs insondable et pleine de microbes de l'oubli, ça fait plaisir. Oh, c'est Penny. Non, j'ai quand même... Référence à Lost. Nathan, réponds-moi. Oh. Ah, super. Alors... Je vais bien, Madison, ne t'inquiète pas. Ok, elle était très inquiète. Et je ne vais pas survivre très longtemps sans oxygène. Et il y a une base près de ma position, elle va m'envoyer des coordonnées. Ok. Donc les commandes sont relativement proches de Minecraft, hein, vous verrez enfin moi je les ai modifiées pour que ce soit encore plus pratique. Là il y a quoi? Il y a des tas de machins. Ok, bon, je sais pas encore, c'est pas grave. Là il y a des poiscailles. C'est par là la base. Alors voilà, c'est de la survie, et comme vous voyez, je suis un plongeur sous-marin, j'ai une gestion de l'oxygène, d'ailleurs il va falloir que je traîne pas trop. Il y a aussi une gestion de la profondeur et une gestion de la faim. Ça plus les prédateurs, autant dire, ça vous fera beaucoup d'occasions de mourir. Donc c'est un jeu qui va sortir demain sur Steam, donc si vous voulez en profiter, il est encore à 10$ sur le site du développeur. Et demain ça va augmenter, hein, c'est normal, on quitte la bêta. Profitez-en. Et puis sinon, c'est pas très cher pour ce que c'est, ça fait plaisir. Et donc là, j'ai atteint ma base, comme vous voyez, une base que je pourrais légèrement modifier, même grandement modifier. Ok, donc elle me dit qu'elle m'enverra des secours une fois que je serai remonté à la surface. Donc l'objectif est d'aller chercher les différentes pièces de sous-marins, tout simplement, qui sont répandues dans les profondeurs insondables pleines de microbes de l'oubli. Il y a différents niveaux de profondeur, plus ou moins dangereux chacun. Et il va falloir m'équiper pour ça. Il va falloir aussi que je me trouve à bouffer, il y a plein d'autres trucs. Je veux pas trop vous spoil, hein, parce que vraiment je pense que parce qu'il y a un gros potentiel pour ce jeu et un petit caractère original relativement unique. Je vais essayer de bien débuter. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Pour l'instant j'ai que Quick. Ah, ça craint. Et qu'est-ce que je peux fabriquer du coup? Bah ouais, mais j'ai rien. Ah, ici j'ai des trucs. Je take all, j'ai 25 fer, ça c'est bien, un extracteur, du charbon, une drill, enfin voilà, une foreuse, et du poiscaille. Et ben je vais commencer par faire cuire le poiscaille. Clac. Ouais, je m'attendais pas à commencer l'aventure comme ça, je voulais vous en parler. Voilà, un jeu qui a du potentiel et une sacrée atmosphère. Je prends les pommes de terre que je vais replanter. Ça c'est fait. Et dès que le poisson est cuit, pareil. J'en vois. Bon, comme ça fait penser légèrement à un certain jeu. Bon, sinon, c'est plus orienté créatif que survie. Hein. Et pour le main workshop, qu'est-ce que je vais fabriquer? Je vais fabriquer weapon, ou équipement. Alors, lequel... Ah, les deux coûtaient 15, hein, il fallait faire un choix. Je vais prendre weapon. Donc weapon, hein, c'est tout simplement les armes, les amis. Il faut réviser l'anglais un peu. Et je vais pouvoir me fabriquer un couteau. Tout à fait. Voilà, voilà comment bien débuter dans Far Sky. Hop, je prends les patates. Ah non, c'est pas cuit. Encore une. Ah, par contre, j'ai plus de charbon, c'est la galère. Je vais laisser
dans le coffre ce que je ne vais pas utiliser pour l'instant, ce fer, et je garde tout ça. Ok, c'est parti mon kiki. Il va falloir que j'explore. Alors avec la drill, extraque ressources. Ah, par là il y a quoi? Oh, une remonta. Tu croyais que je peux lui donner des coups de couteau? Ah, je peux pas monter plus que ça. Voilà, il y a un genre. Ouh, putain! Fuck it! Alors, je crois qu'on peut. Ah, voilà, cool. Vous avez vu? J'ai récupéré. C'est pas celle-là, c'est peut-être les grosses? Ouais, c'est les grosses. Alors, j'ai trouvé du fertilisant. Ah! Et des morceaux d'algues. Il y a un requin, hein, c'est pas cool, hein. Alors, comme dans Minecraft, il y a une phase de jour et une phase de nuit. Je vous avouerai que j'ai jamais fait encore la phase de nuit, mais elle est vraiment plus dangereuse. Je vais aller par là, je vais voir ce qui s'y cache. Ok. Ici, je vais poser. Alors, j'aurais pu extraire des ressources, hein, de cette façon-là. Très efficace, mais je peux aussi me faciliter le boulot, balancer l'extracteur. Extracteur qui va faire le boulot à ma place. Qu'est-ce qu'il y a par ici? J'ai vu un truc. Oh, de l'or! Très très important. Ah, cette chance. Très rare. Très rare, très rare. De l'or, donc du coup j'en ai 5. Là-bas j'ai un truc sur l'écran. Alors, au niveau oxygène, il faut que je fasse gaffe, j'ai 1 minute 30. Oh là là, il y a un truc qui brille, mais pas qu'un peu. Énorme! What is it? Oh, une pièce de sous-marin! Donc oui, il y en a 9 à trouver et elles sont indiquées sur la carte. J'ai oublié de vous dire que quand vous serez en mode survie, survivor, non seulement le jeu sera plus dur, mais ils ne seront pas indiqués sur la carte, ce qui va grandement augmenter la difficulté du jeu. Et voilà, ce qui fait que pour le prix d'un cinéma, vous allez vous taper des super aventures sous-marines avec. Ah, putain, il faut que je rentre. Sinon, je vais crever. Ok. Ok. Oxygène, l'eau. Voilà. Piou! Alors, j'ai trouvé ça. Alors, les raccourcis Minecraft ne fonctionnent pas, c'est pas grave. Fertilisant, on va l'essayer. Je vais mettre le bandage ici. Je peux rien faire, hein. Les bandages, c'est pas avec ce truc-là. Ah, oh, purée, je suis complètement pris dans le jeu en fait. Ah, je peux pas utiliser de fertilisant tel quel dessus. Je sais pas encore à quoi ça sert du coup. Et peut-être pour fabriquer un engrais, mais je sais pas encore à quoi ça sert. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Rien du tout, il me manque du fer. Je vais aller retourner à l'extracteur. Un dauphin! Des dauphins! Tu crois que je peux les planter? Ah, peut-être pas eux. Oh! Vilain. Vilain le requin. Le problème, c'est qu'il est pile poil à la hauteur, je veux pas. Foiré. Alors il faut surtout pas saigner, hein, je vous préviens. C'est l'intérêt des algues, c'est pour faire des bandages. Ouais, j'ai réussi à monter. J'ouvre l'extracteur et j'ai 13, c'est plutôt bon, il m'en faut plus. Je regarde un peu derrière moi si j'ai pas une agression potentielle. Oh mon dieu. Je veux pas tous vous spoil non plus, mais par contre, si vous voulez une aventure complète et suivie, moi je suis d'accord. Non, il va falloir vraiment que je me fasse un lance. Il y a moyen de se faire un pistolet sous-marin. Ok, je vais récupérer parce que je l'ai mal placé ce machin. Avec mon hammer, je récupère l'extracteur. Voilà. Et je vais rentrer à la maison. Et je rentre à ma maison. Hop, c'est bon. La maison est par là. Cool. Alors, base qu'on peut modifier. Alors, parmi les différents ateliers, entre guillemets, qu'on peut récupérer, il y a celui de base, il y a l'équipement que j'ai pas encore montré. Et j'ai les ça, c'est pour les meubles, j'imagine. Et ça, le building, donc tout ce qui va être création de la base.
C'est moins, comment ça s'appelle? Moins orienté créativité que Minecraft, hein. C'est vraiment un jeu de survie, mais avec suffisamment de challenge, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Et je me retrouve avec mon équipement. Je vais mettre là. Ah, je peux pas. Ah, c'est pas le bon. Merde, je l'ai mis où? Fuck. Oh, pardon. Hop. Ah, ça prend du temps? Ah bah non, il est là. J'ai oublié de le prendre. Premier fail de la journée. Ce sera peut-être pas le dernier. Donc là, c'est pour améliorer tous ces équipements de plongée. Donc on peut améliorer le drill, donc la foreuse. Il y a ici un scooter des mers qui vous permet de vous propulser. Et donc... Ah. Vous avez vu là, je peux faire des bandages, ça va être intéressant. Parce que si je me mets à saigner, ça va être affreux. Ici, le scooter des mers aussi, donc je pense, permettra de remonter dans le côté vertical de la chose. Hop, je fais des bandages. Ah bah non, c'est là, ici. D'accord. 4 bandages, c'est ça qui est bon. Cool. Nickel. Qu'est-ce que je peux fabriquer d'autre? Donc voilà, en fonction de mon casque, je peux améliorer, pour me permettre d'explorer différents niveaux du jeu, je peux améliorer mon casque pour pouvoir augmenter ma profondeur. Voilà. Là, c'est les réductions au damage. Donc là, ça va être plutôt mon armure. Et ici, l'autonomie de la plongée. Et avec ça, je vais pouvoir améliorer mes... Là, c'est du manganèse, hein, le truc bleu. Je vais pouvoir améliorer mes compétences de plongée pour pouvoir aller plus loin. Et je vois que juste à côté, j'ai possibilité de me faire encore du fer. Tout ça, c'est du fer à gogo. En plus, c'est super généreux. J'aurais pu laisser l'extracteur d'ailleurs juste à côté. Vu qu'il y en a plein. Fais ton boulot. J'ai faim. J'ai faim. Ah ok, c'est réglé. Ah putain, non, non, c'est vraiment violent quoi, la fin. Je suis qu'à 50%. Je vais essayer de me faire une arme. Très efficace. Enfin voilà, c'est les premiers pas sous-marins entre guillemets dans Far Sky. En plus, il y a une sacrée ambiance. On n'a pas encore vu la nuit qui va tomber, ça va pas tarder. Des armes, des armes. Ah putain, c'est 12 fers et combien? Et de l'or, l'or je l'ai rangé. Mets-toi là. Voilà. J'ai mon lanceur de lance, entre guillemets, mon pistolet. Mon pistolet sous-marin et il me faut une lance. Ok, avec 3 lances en fer. J'espère qu'on peut les récupérer, je n'en ai aucune idée en fait. Hein. Vous pensez que je peux l'avoir lui? Ok, j'ai pas lancé toutes mes lances. Ah non. Comment je fais? Ah, il faut que j'équipe. Ok, mes lances sont équipées. Un poisson. Alors, je vais pas manger de la remanta, mais je vais essayer de me choper un poiscaille. Avant de crever de faim. Les petits sont trop petits. Alors, en fait, au niveau des sauvegardes, ça se passe comme dans Minecraft, quand vous quittez le jeu, ça sauvegarde. Donc, c'est fait pour éviter que... Je suis pas parti bien loin, hein. Rassurez-vous, il y a bien des dangers. D'ailleurs, je pourrais vous les montrer. Ce que je vais faire, je vais créer un checkpoint et je vais faire le con. Save and quit. Et je vais... Non, je vais faire load. Donc, c'est ici. C'est ici ou pas? Ouais, j'ai trouvé une pièce ici.
Voilà, en attendant, c'est vraiment, vraiment un jeu vraiment très 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 original. C'est du manganèse, ça? Non, c'est du fer. C'est quoi ça? On dirait de l'or. Un trésor plein d'or? Ah non, c'est de l'argent, du fric. Je sais pas ce qu'on peut s'acheter. Voilà, et vous voyez, là, il y a des profondeurs. Je devrais peut-être pas y aller. Ah, oh, il y a encore du fric. C'est le petit pousset. Il m'a mis du fric de partout. Les pièces sont générées de manière complètement aléatoire. Donc, les pièces de sous-marin, donc on ne sait pas où elles sont rangées. Et en mode survivor, du coup, ça rend encore plus difficile la survie. Ça, mais je l'ai déjà dit. Je suis désolé, hein, je suis parti. Oh, je suis parti trop loin. Alors, attendez, on va aller plus profond et on va voir ce qui se passe. Attention, Nathan, la pression. Et voilà, effectivement, j'ai fait une grosse connerie parce que, comme vous voyez, ma pression maximale. Oh putain, c'était de l'or à gogo. Est atteinte. Donc voilà. En plus, j'ai faim. Et j'ai rien à bouffer. Ah, il faut que je tue des poules. Ouh là 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 là. En fait. Oh purée! Des poules lumineuses qui nous serviront à faire des lampes. Putain, c'est quoi ça? Il faut savoir que les mecs, je vais mourir. Hein. Mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer une partie du jeu, mais pas tout. Si vous voulez que je vous fasse un let's play, bah vous me tenez au courant et tout. En attendant, je vous conseille de l'acheter si vous avez les moyens. Ah merde, voilà, j'ai 50 secondes à partir du moment où le casque est pété. Avant qu'il passe un petit peu plus cher, sinon vous le trouverez sur Steam, hein, pour pas trop cher, ou sur le site du jeu, vous avez le lien en descriptif. Un développeur français, ça fait plaisir. Ah, alors j'explique. Quand vous mourrez, tous les items ont été laissés au sol. Si je meurs une seconde fois, c'est foutu, hein, je peux pas les récupérer. Bon, autant vous dire que là, je peux pas les récupérer parce que si j'y retourne, j'y meurs d'office. Et donc, c'était très con ce que j'ai fait. On n'a pas vu encore la nuit, hein, dans le jeu, mais c'est pas grave, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et je vous laisse l'occasion de les découvrir. Voilà, c'était Fanta sur Fantabo Games, très très content d'être un des premiers à vous présenter ce jeu. Un jeu français, ça fait plaisir. Salutations à toi, Tim, tu gères! Allez, bisous à tous et à la prochaine. Vivement que j'ai un scooter aussi. Voilà. Et moi, je suis un grand. Il faut savoir que je suis un plongeur sous-marin IRL aussi. Et y en a qui aiment pas le côté claustrophobique sous la mer. Moi, personnellement, j'en raffole cette sensation de quiétude et puis d'être complètement plongé dans quelque chose d'immense, quoi. Voilà. On n'est vraiment rien sous l'eau. Hein. Allez. Ceci dit, bisous à tous et à la prochaine.